Et bonjour tout le monde, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Great Ace Attorney Chronicles. J'espère que vous allez bien, ça me fait hyper plaisir de continuer cette aventure sur ce jeu incroyableissime. Et je m'excuse d'avance pour mes traductions qui vont être un petit peu hasardeuses, puisqu'il est quand même 1h20 du matin. Alors, c'est pas une horaire pour tourner des épisodes. Mais j'ai trop envie d'y jouer. Et surtout, j'ai pas d'autre choix pour tourner des épisodes, et donc... Donc on va faire ça comme ça, tant pis. Alors, continuons. Nous pouvons arriver au cœur du propos. La mauvaise intention de la victime. Non, plutôt, c'est pas ça. C'est le sombre destin de la victime, pardon. Comment ce jeune homme a-t-il perdu la vie? Et pourquoi? Pavlova en PLS. On était dans pleine déduction de Sholmes, vachement intéressante. En accordance avec la donnée que j'ai moi-même récoltée, il semblerait qu'il n'y avait pas de signe visible de blessure. Ah, Pavlova en PLS. En fait, les circonstances de la mort de la victime ne peuvent être qu'expliquées par un terrible poison. Mais non, il a été frappé à la cervicale, il est mort. Maintenant, nous prenons cela en tant que fait. Il se foire partout. Nous pouvons raisonnablement penser qu'il reste une preuve pour l'affirmer à la scène du crime. Oh non. Se pourrait-il... En effet, une examination du corps de la victime prouvera la cause de la mort de manière cohérente. Bah non. La presque, mais pas vraiment, imperceptible ponction, on va dire, voyez les petits trous que laissent les dents du serpent. Révéleront la vérité. Oui, les vestiges de la morsure de serpent qui est délivrée par votre ami terrifiant. Ça ne fait aucun sens. Il n'y a aucun point à feindre l'ignorance, mademoiselle Pavlova. Après cet incident, you had vowed to hide everything. Vous avez entrepris de tout cacher, n'est-ce pas? Mais maintenant, vos regards involontaires vous trahissent la place de la cachette, plutôt, que vous avez choisie. C'est vrai, vous avez caché la preuve qui vous connecte à la mort de la victime dans cette valise. Mais elle est ouverte, il n'y a rien dedans. Voilà. Lorsque nous avons rencontré la cabine, plutôt vu la valise, mon attention s'est portée sur le fait qu'elle bougeait périodiquement. Votre serpent assassin était à l'intérieur sans aucun doute. Vous ne pouvez pas. It is telling that the victim may not. Of a low whistling sound that he heard minutes before his hand. Ok, c'est un miaulement. Hein. Je reste persuadé que c'est un chat. C'est un chat caché en serpent. Donc le journal dit qu'il avait entendu un sifflement quelques minutes avant sa mort. C'était votre signal, n'est-ce pas? Le son que vous avez utilisé pour entraîner votre serpent. Ah ouais, il va loin pour entraîner. Et oui, l'entraîner à tuer. Ça se tient, ouais. En fait, ce qu'il dit se tient. Mais pas le... Mais pas trop, quand même. En même temps, il y a un peu d'incohérence. En effet, vous avez vous avez mis le serpent dans la grille du ventilateur. Et attendu, après un moment, vous l'avez réappelé avec un sifflement. Vous ne pouvez pas savoir que... Si l'animal avait fait son devoir,
Donc vous écoutiez pour des signes de vie la porte d'à côté. Et si la victime n'apparaissait pas être morte, vous relâchiez le serpent une fois de plus. Est-ce que vous reniez le fait que le serpent est allé a poursuivi un tel entraînement? Mais Strogonoff, là, il est pas en PLS, là. Non, mais t'as ça autour de toi, tu meurs, en fait. Ce n'est pas vrai. Surtout si c'est un serpent vénineux qui t'arrache la gueule, quoi. Oh, mais ça, c'est une mort horrible, franchement. Ah, Kazuma. Faut... Je préfère encore m'être fait taper sur la nuque et crever direct, hein. Ce qui s'est passé. Ah, donc, blablabla, c'est infiltré par la grille du ventilateur. Tu nous l'as déjà dit. Et le venin voilà, a tué la victime. Cela est la vraie nature de la bande tachetée qui a pris la pauvre. Enfin qui a pris la vie de notre pauvre ami. Il n'y a pas de doute, ma logique est infaillible. J'ai des doutes. Correction. Conclusion. Mort par une morsure d'un serpent vénéneux. Et voilà ce qui conclut la grande déduction de Sherlock Holmes à propos de la bande tachetée. Ah, à nous d'intervenir. Mais tu te barres là, sous Sato. Tu te casses en fait. Mademoiselle Pavlova a entraîné son serpent pour le transformer en machine à tuer. Là, sur le sol, vous observez le saucier de lait. La nourriture promise est la clé pour entraîner n'importe quelle créature. Eh oui, incroyable. Tu as résolu le mystère. Incroyable, votre grande déduction vraiment, est à la renommée de votre de sa renommée. Plutôt, est à la hauteur de sa renommée. Et je vois pourquoi le Sherlock Holmes est devenu un si grand nom. Mon cher homme, ce n'était rien de très remarquable. Comme les Russes le disent, j'aurais pu le faire avec une seule main gauche. Replay gaucher. Est-ce que je pourrais m'aventurer dans une à exposer une opinion, monsieur Holmes? Mais but of course, mais évidemment. Qu'est-ce qui vous tracasse? C'est juste qu'à propos de vos précédentes déductions, quelques trucs ne font pas vraiment sens, ne me font pas vraiment sens. J'accepte toutes les questions à propos de ma méthode et j'y répondrai à la fois, donc haut et fier quoi, haut et fort. J'y répondrai haut et fier. Oh, eh bien, très bien. Premièrement. Est-ce que ça serait pas Suzato? Non. Les serpents sont donc des créatures qui pondent des œufs, qui font partie de la famille des reptiles. Oui. Vous êtes très bien informée, madame. Et les reptiles ne boivent pas de lait. Contrairement au chat. Qui est une érudite reçue d'ailleurs, il préfère de l'eau, je pense. Hein. Quoique, si, voilà, le lait pour les mammifères. C'est vraiment seuls les mammifères qui aiment boire du lait, voyez-vous. Surtout que du lait de vache, je suis pas sûr que ça marche bien pour les chats. Bon. Donc je ne suis pas vraiment sûr pour s'il serait vraiment possible d'entraîner un serpent en utilisant du lait en tant que récompense. Surtout que c'est carnivore, un serpent, quand même. Aucune raison, enfin, on s'en fout. Peu importe, aucun doute que Mademoiselle Pavlova a utilisé une autre sucrerie, ou plutôt un autre... C'est ça, une autre sucrerie, plutôt un autre... Ouais, c'est une sucrerie, on va traduire ça comme ça, vous avez le propos, pour encourager son animal à faire selon ses ordres.
Le lait était un simple exemple. La logique se tient. Bien, il y a quelque chose d'autre. Les serpents n'ont pas d'oreilles. Ah! Rip, oui. Donc je ne suis pas sûr s'il est vraiment possible de signaler à un serpent en sifflant. Mais madame, et alors les contes de depuis l'Arabie? Oui, les serpents à musique là. Et voilà, n'avez-vous pas entendu que les serpents qui dansent au son d'une flûte? Eh oui, c'est ça. Je pense que peut-être les performances, enfin plutôt les artistes, voilà, les artistes jouent leur musique en même moment que les mouvements naturels du serpent. Ah, je vois. Pas de main, pas de pied, pas d'oreille. Ces créatures sont tellement inaptes. Ils sont pratiquement inutiles. Ne vous défoulez pas sur les serpents, monsieur Sholmes. Si, c'est de la merde, virez-moi tout ça. Je sais que c'est probablement important pour la chaîne alimentaire, plus que les guêpes, mais virez-moi ces deux trucs-là. Il y a encore quelque chose d'autre. Et tu as plus? T'en as plus? Ouais, c'est de la merde, en fait, addiction. Alors, les serpents utilisent leurs écailles... sur leur ventre pour se propulser eux-mêmes. Autant dire que verticalement ça marche pas. Donc je ne suis pas vraiment sûr qu'un serpent pourrait arriver à monter une corde plate qui est verticale comme celles qui sont dans les cabines. Alors il devrait essayer plus... plus durement. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère avec moi, monsieur Sholmes. Mon point est que même si un serpent était allé à travers la grille du ventilateur, la cabine d'à côté, il n'aurait pas pu revenir sans aide. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a un nombre assez important de raisons qui expliquent pourquoi il est difficile d'imaginer qu'un serpent puisse être en relation avec ça. Rip. Triste. Mais il essaie de nous aider quand même. D'un côté, tu vas au procès avec ça, tu te fais ridiculiser quoi. Pavlov. Mais c'est surtout que c'est pas mon serpent en fait. Je pense que nous devons à nouveau entrer dans la danse, monsieur Naruhodo. Ah non, tu ne veux pas dire. Si, nous devons modifier les dernières déductions de monsieur Sholmes et transformer en grandes déductions qu'elles sont censées être. Voilà. Les transformer dans les grandes déductions qu'elles sont censées être. J'avais le sentiment que ça allait venir. Bah oui, moi aussi. La grande danse de Naruhodo. Très bien. Allons, essayons. Juste ce que j'attendais. Monsieur Naruhodo. Très bien. Tcha-cha-cha. Et donc, regarde à nouveau. Enfin, jette tes yeux à nouveau sur tes poignets. Et tu n'as toujours plus les menottes. Ah ah. Tu l'as encore fait. Tes menottes sont parties. Où sont-elles allées? N'ayez crainte. Je les remettrai après que ton travail ici soit fait. Je préférerais vraiment que tu les laisses... que tu me les laisses plus là quoi. Maintenant, tout le monde, commençons. Sherlock Holmes est fier de présenter sa logique et son raisonnement, son spectaculaire, voilà. Sa logique et son raisonnement spectaculaire. Bam. Voilà. Hold it, Mr. Holmes. Intruder's identity, a beloved speckled snake. Vous avez dit auparavant que sa mort n'avait rien à voir avec moi et que la chose entière n'avait rien à voir avec elle. Pourtant, vous ne pouvez pas nous mentir ou nous tromper. Lorsque vous rappelez ces erreurs, voilà. Your aching hurt. She does have a pain expression on her face.
Mais c'est à son poignet. Oui, c'est vrai. Il semble que Kazuma lui pèse sur la tête. Mais vous êtes sûr que Major Sholmes a vraiment lu ça correctement? Ouais. Est-ce qu'on pourrait interpréter autrement sa conception de la Second Moment? Et regardons vraiment plus en détail Mademoiselle Pavlova. Donc, ce n'est pas un aching heart, c'est un aching wrist. Non, vous pensez pas? Parce que aching heart. Aching heart, left here. Right here. Right there. Ah ben voilà. Close scratch. C'est clairement ça du coup. Bon, c'est clairement un chat. Hein. Oh Narudo, regarde. Ça me semble être très douloureux. Mais une jolie damoiselle comme ça, elle a forcément un chat, elle a pas un serpent quoi. Elle a 20 ans, hein, je vous rappelle. Il semble qu'une blessure comme ça, enfin une griffure comme ça, peut être faite par une sorte de petit animal. Et plutôt récemment en plus. Eh bien, quoi que ce soit, ça ne semble pas être. Il ne semble pas être autour d'ici. Bon, ben, c'est clairement ça. Hein. Yes. Eh oui, le close scratch. Bam. Tan, 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 la classe, Narudo. En tout cas, ils ont clairement step up hein, dans l'animation et la mise en scène du jeu. Hein, par rapport au premier Phoenix Wright ou même à la trilogie ou. Ou même à Professor Layton et Phoenix Wright, ils ont clairement, clairement amélioré la mise en scène. Et ça dynamise beaucoup la chose et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En effet, une simple observation révèle que cette blessure est fraîche. Ou récente. Mademoiselle Pavlova, avez-vous en effet reçu cette griffure voilà, quelque part la nuit dernière. Ah. Lorsque je pense à propos du jeune homme qui est mort à la porte d'à côté, je me sens triste. Et quand je dis triste, et quand je suis triste, la douleur de cette blessure est pire. Ah. Ok, et dans cette même douleur se trouve l'évidence de votre lien inextricable à la mort de la victime. Ce que nous demandons, quelle est la nature de cette... Voilà, quelle est la nature de cette intrus qui est voilà, qui a trouvé sa place dans la cabine. Naturellement, c'est son ami. Là, son ami. Et comme je le disais, regard furtif, sans aucun doute, votre ami, et ce serpent qui siffle juste devant nous. Non, 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 ça ne va pas. Il semble que la marque de griffure au dos de la main de Pavlova ne soit faite par son ami, n'est-ce pas? Cependant, les serpents n'ont pas de griffes. Non, ils n'en ont pas. Ils n'ont même pas de mains ou de pieds sur lesquels en mettre. Enfin, sur lesquels les griffes pourraient pousser. Eh bien, si ce serpent n'est pas son animal, alors quelle est la vraie identité de son ami? Nous devrions suivre son regard, Narudo. C'est là que nous trouverons la réponse. Attendez quoi? Ah ben oui! Elle a une photo. Photograph frame. Elle a un magnifique chat. Bouille, trop mignon! C'est un magnifique chat noir. Bah non, mais c'est bon. Hein. Elle a 20 ans, je la marie, la dame. Hein. Bon, si c'est la meurtrière, je la marie pas. Regardez la photographie de cette... Bon, elle est russe, c'est un peu con. Je peux pas parler avec elle. Ça doit être... This must be something Miss Pavlova brought with her when she ran away. Oui, ça doit être quelque chose qu'elle a amené avec elle. Elle est extraordinairement magnifique, n'est-ce pas? Ouais, je ne peux pas dire autre chose. Oui, c'est vrai, mais personnellement, c'est cette petite créature noire qu'elle
porte qui a attiré mon attention. Magnifique également. Peut-être que nous devrions avoir une. Bah oui, non, mais c'est ça, Little Kitten, Miss Pavlova. Bam. The Little Kitten. Le petit chaton. C'est un chaton. Et boum. Sans aucun doute, votre ami est ce petit chaton que nous voyons juste devant nous. Oui. La griffure au dos de la main rend cela parfaitement clair. Oh non. Et où est ce petit chat? Et bam. La même l'ombre. Les ondits de ce petit... Enfin, non, plutôt les... C'est pas les ondits, les... Enfin, la position actuelle de ce petit chat reste... Enfin, n'est pas claire. Et ce qui est clair, c'est que vous avez amené cet animal avec vous lorsque vous êtes parti. Enfin, que vous avez fui, n'est-ce pas? Ouah, dans ta gueule. Darka est mon meilleur ami. Il s'appelle Darka. Je ne pouvais pas le laisser. Je ne pouvais pas la laisser derrière. Darka semble être le nom. Enfin, semble être le mot qui désigne le bleu en russe. Il n'était pas bleu, il était noir. Mais enfin, d'un côté, l'image est en noir et blanc. Et pourtant, ce fait nous laisse dans un mystère, dans un dilemme. Dans un dilemme, c'était dilemme. Alors, par contre, il n'était pas tacheté du tout, le chat. Il y avait peut-être un petit habit. La victime a écrit les observations la nuit en question d'une bande tachetée. Ce qui est malheureusement... Et oui, il n'est pas tacheté du tout. Les marques de ce spécimen ne correspondent pas à la description d'une quelconque manière. Quelle explication pouvez-vous donner, je vous prie? Quelle était donc la vision qui est tombée à la nuit de la victime? Pourquoi elle regarde? Non, ne me regardez pas. Je n'ai rien à faire avec ça. Oh, mais si. Vous avez la réponse à ce dilemme même là, se cachant derrière votre dos. Oui, ce que vous essayez de cacher, mais en ratant évidemment de camoufler. C'est juste quelque chose qui est en dehors de sa poche, qu'elle a mis derrière. Si elle l'a laissé dans sa poche, personne n'aurait pu le savoir. Ah oui. Ploys like that are Monsieur Sholm's specialty. Qu'est-ce que veut dire ploys? Road reference. Ploys. Stratagème. Ok. Subterfuge. Les stratagèmes comme cela sont la spécialité de Monsieur Sholmes. Il est tellement malin. Il l'a forcé à révéler quelque chose. Je pensais que la déduction était la spécialité. Et peut-être que me le faire croire était également un stratagème. De toute façon, je trouve ça difficile de croire que cela est la peau d'un serpent. Oui, dans quel cas... Qu'est-ce qu'elle cache, du coup? Non, mais c'est pas la peau de serpent, c'est quoi? C'est... Ah, attendez, c'est quoi ça? Snakes throw skin. Si, c'est vraiment ça? C'est vraiment la peau d'un serpent? Non. Eh bien, c'est tacheté, et c'est une bande, mais... Qu'est-ce? Il semble que ce soit doux et... Rembourré, fluffy. C'est quoi doux et fluffy? Alors soft, c'est bien doux, hein. On est d'accord. Mou, non, c'est mou et doux. Oui, c'est doux. Doux et fluffy. Qu'est-ce que ça fait, fluffy? Allez, c'est pas le moment de ramer là. Dufteux, cotonneux, léger. Bon, c'est coton, quoi. Ok. Une pièce de vêtement d'une quelconque pièce, quoi. On sait pas ce que c'est, mais c'est un vêtement.
Et il semblerait qu'il y ait une un manche d'un côté. Ça pourrait être un jouet pour chat. Oui, c'est ça. C'est plutôt commun dans l'Ouest, apparemment. Comment ça pourrait être un jeu pour chat? Les chats aiment bien chasser la bande autour et s'accrocher et s'y accrocher. Les chatons en particulier adorent ce genre de jeu. Tu as juste besoin de le bouger devant lui et il court après. Là, ça semble absolument adorable, mais je suis bien d'accord. C'est mignon. Bon, bah, c'est le cat toy, hein. Bah, c'est. Bam. C'est le cat toy. Et bam. Oui. La chose que vous essayez, mais en se foirant de camoufler, est un jouet pour chat. Précisément. Et la vraie nature de cette Speckle Band. Ah, c'est ça, elle a essayé de refaire venir le chat qui s'était enfui. Et c'était ce jouet qui se dandelinait, ça se dit pas, au ventilateur. À la ventilation plutôt. Vous l'avez, vous-même agité naturellement, la victime ne pouvait pas ne pas la voir. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Mon cher garçon. Et il ne peut y avoir qu'une seule réponse à ça. Le chat s'est perdu. Après que son ami félin a disparu au travers de la grille de ventilateur dans la cabine voisine, Mademoiselle Pavlova a essayé d'utiliser cette bande tachetée utilisée par le jouet du chat pour inciter la créature à revenir. Ah, l'animal. En résumé... La nature de son ami, de Mademoiselle Pavlova, qui a la nuit dernière infiltré la scène du crime, est un chaton tout mignon. Ok, c'est un Blithesome. Qu'est-ce que veut dire Blithesome? Je crois que je viens de vous niquer l'oreille là. Blithesome. Non, ça n'existe pas. Il manque un E. Merde, j'ai oublié un E. Insouciant. Non. Allègre. Ok. Bon. C'est le... Qui veut dire... Bon, bah c'est le nom, quoi. C'est le chat, quoi. Yaha! PLS. Un félin... Le jeune Darka s'est révélé être plutôt... fauteur de troubles, évidemment. Elle doit être mise en cage une fois trouvée. Vous allez nous excuser, vous nous excuserez d'emprunter la photographie de votre animal, Mademoiselle Pavlova. Ok. Ça va nous servir au procès, du coup. C'est après que je lui ai donné sa nourriture la nuit dernière. C'est alors que c'est arrivé. C'est à ce moment que c'est arrivé. Elle a griffé le dos de ma main et elle s'est barrée le haut de la corde. Et oui. Et avant que je puisse faire quoi que ce soit, elle avait disparu dans la ventilation. Darka, elle est si méchante. A beloved kitten, bouh, un petit chaton noir tout mignon. On va s'arrêter là pour cet épisode. Je suis désolé de vous couper comme ça en plein de correction de la déduction de Monsieur Sholmes, mais il va bien falloir le faire, puisqu'il est, je le rappelle, 1h50 du matin. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, et à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.